Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une expérience sur les microbes. Comme vous le savez les enfants, il y a des microbes de partout et surtout sur nos mains. Pour ne pas avoir de microbes, il faut se laver les mains. Il faut se frotter les mains, il faut se laver les mains, il faut encore se frotter les mains et puis encore se laver les mains. Mais se laver les mains avec de l'eau, ce n'est pas suffisant. Il faut se laver les mains avec du savon. D'abord, je prends du savon. Ensuite, je frotte et je me lave les mains avec de l'eau. Pourquoi c'est important de se laver les mains avec du savon? Nous allons voir ça dans notre expérience maintenant. Pour notre expérience, nous avons besoin d'un plat. Nous avons besoin du poivre. Nous avons besoin du savon. Et nous avons besoin de l'eau. Je mets de l'eau dans le plat. Et ensuite, je mets du poivre dans l'eau. Le poivre, ce sont les microbes. Je mets mon doigt dans l'eau comme si je me lavais les mains avec de l'eau. Les microbes commencent à partir. Mais quand je mets mon doigt dans le savon, ah, regardez, au revoir les microbes. Au revoir les microbes. Donc, les enfants, se laver les mains avec de l'eau, comme ici, ce n'est pas suffisant. Quand on se lave les mains avec de l'eau, il y a toujours des microbes sur nos mains. Mais quand on se lave les mains avec du savon, revoir les microbes, il ne reste plus de microbes. Maintenant, à la maison, vous pouvez essayer ça, vous dites à maman et papa. Je veux faire l'expérience de Madame Myriam. Et vous prenez des photos et vous envoyez à Madame Myriam, d'accord? Allez, au revoir les enfants, à bientôt!